Bonjour, aujourd'hui on va parler ciblage des prospects. Quel que soit le business que vous mettez en place, ce qui est commun à tous et incontournable, c'est l'augmentation de sa visibilité. Alors quel business est concerné? Eh bien tous les business, affiliation, marketing relationnel, e-commerce, infopreneur, formation, coaching, etc., etc. C'est incontournable, il faut augmenter sa visibilité pour avoir plus de contacts dans sa liste email, puisque c'est grâce aux listes email que l'on va pouvoir vendre. Et le plus important, c'est que ces contacts soient ciblés. Aujourd'hui, il n'y a pas une offre par domaine, mais des centaines, voire des milliers, qui proposent toutes l'incroyable. Il est donc plus efficace de se démarquer des autres pour être vu et reconnu. Et pour avoir des résultats financiers intéressants, justement, il est indispensable de cibler les prospects. Sinon, si votre cadeau semble attrayant pour un maximum de personnes, vous allez avoir des centaines d'inscrits non ciblés qui ne sortiront jamais leur carte bancaire. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous savez comme moi que les plateformes qui proposent les gestions des mails et des envois proposent des abonnements dont le prix varie en fonction du nombre de contacts ou du nombre d'envois mensuels. Plus vous avez contacts, plus vous avez d'envois donc, et plus vous payez cher. Donc, plus il y a de contacts dans les listes qui ne mettent jamais la main au porte-monnaie, plus vous devrez payer cher votre abonnement. Tout ça pour un chiffre d'affaires qui restera médiocre. Par contre, si vous faites du ciblage correctement dès le départ, il est toujours possible d'avoir beaucoup de contacts, mais ils vous rapporteront beaucoup plus d'argent, car ils seront choisis, triés sur le volet. Malgré tout, vous aurez toujours des contacts frileux qui ne donneront jamais un centime. Alors voici, quel type de contacts vous allez pouvoir trouver dans votre liste? Alors, il y a ceux du tout gratuit. Ces personnes-là sont à la recherche de ce qui est gratuit et elles seront toujours là dans votre liste des mois après, des fois que vous leur offriez quelque chose qu'elles ratent. Ensuite, il y a les curieux. Oui, ils passent rarement à l'action, ceux-là non plus. Ils sont toujours là, mais c'est juste pour voir. Quant aux sceptiques ou aux indécis, ils pourront peut-être être convaincus par votre offre si elle est bien argumentée et que l'argumentaire les touche. Enfin, il y a les conquis. Avec eux, pas de souci, votre offre les a séduits et ils sortiront probablement leur carte bleue si vous leur faites une belle proposition qui va dans le sens de votre ciblage du départ. Alors, pour éviter de remplir votre liste de contacts indésirés, il faut que votre cadeau soit ciblé lui aussi et ne soit attrayant que pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce sujet et potentiellement prêts à sortir leur carte bleue. Cela va vous permettre d'éviter une bonne partie des curieux et des tout gratuits. Avec un e-book tout simple qui est à télécharger, vous aurez certainement énormément de personnes qui viendront s'inscrire. Par contre, si vous faites une formation qui demande une réflexion ou une action de la part de la personne, beaucoup de ceux qui sont dans le tout gratuit ne s'inscriront pas. Donc réfléchissez bien à votre offre pour bien cibler vos contacts. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.